Je veux aussi devenir soldat pour aider à créer un monde meilleur. Les générations passées ont fait des dégâts. Je vais les réparer. Vous vous tenez très mal, tous. Vous me demandez de ne pas me battre, mais vous n'arrêtez pas. Vous me demandez de ne pas polluer. Mais vous, alors, vous faites des choses pour lesquelles, moi, je serai puni. Vous me dites de ne rien laisser dans mon assiette. Mais vous jetez tellement de nourriture. Vous me dites que tuer, c'est mal. Mais vous n'arrêtez pas de le faire. Par votre faute, le monde est devenu un endroit abominable. Alors je ne sais pas ce que vous me reprochez. Car tout ce que je sais, c'est vous qui me l'avez appris. Maman, je crois qu'on a du mal à communiquer. Viens. Il est tard. On va aller se coucher. La société est en train de changer. Aujourd'hui, nous nous revendiquons des âmes de pacifistes. Nous militons pour les droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort. Nous soutenons les victimes d'injustice, de violence et de torture dans des pays déchirés par la guerre. Nous condamnons aussi les violences et les maltraitances qui se produisent ici, à l'abri de nos maisons. Mais nous ne faisons pas attention à ce que nos enfants regardent à la télé. Ça se tire dessus. Ça commet des crimes de guerre, des atrocités, des violences insoutenables, explicitement, beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Oui, nous déjeunons et nous dînons en toute tranquillité, tandis que ce festival d'horreur défile sur nos écrans. Et nous nous disons simplement que c'est normal, que ce n'est rien d'extraordinaire, mais il se passe quelque chose d'important. Nos enfants imitent toutes les images qu'ils voient et nous l'oublions.